Chef de bois, c'est la compétition culinaire la plus sauvage du Québec. Pour débuter l'aventure, les candidats se sont fait larguer en territoire isolé et sauvage. 10 chefs cuisiniers ont quitté pendant 14 jours le confort de leur cuisine professionnelle pour venir cuisiner en forêt au camp Chef de bois. Oh my God! C'est ça, bravo, mère. Il est vivant? Oh my God! Au cours de la compétition, les candidats devront cuisiner sur le feu des plats pour impressionner leur juge mentor, Martin Picard. Moi, tu sais, je le trouve quasiment poisseux, là. Tu sais, je le trouve fort. Faites-moi pas goûter des choses si vous les avez pas goûtées. Ah non, mais j'ai goûté. Qu'est-ce que vous avez mangé hier, là? Y a-t-il quelque chose que je comprends pas? Le feu d'artifice, il est pas là. Le feu d'artifice, il est dans ma bouche. La faim, la pluie, l'eau froide, mais surtout la fatigue seront des ennemis sans pitié. Attention! Attention, Marie! Reste-le. Ah! Comment vas-tu, Dave? Relax, deux. T'as-tu besoin de quelque chose? Non, c'est bon, merci. Le groupe est là. Puis je compte pas. Puis je compte pas nulle part. Puis je compte pas ici non plus, tu sais. Qui remportera la compétition Chef de bois et le grand prix de 10 000 $?